Donc, dossier d'apprentissage avec Book Creator en ligne. Alors, mon outil de présentation aujourd'hui, c'est un livre Book Creator, auquel vous aurez accès dans quelques instants. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Marie-Ève Lapolis, je suis euh, conseillère pédagogique au Récit national du domaine des arts. Euh, je m'occupe plus particulièrement du dossier Arts plastiques et vous pouvez me joindre euh, très facilement par courriel marie La à récit.qc.ca. Je vais laisser ma super collègue se présenter. Alors, moi, je suis la collègue de Mariève, Brigitte Louise Lessard. Je suis porteuse du dossier de musique. Euh, et puis, euh, quand on a des présentations, un webinaire comme ça, on a tout le temps un copilote. Alors, je serai votre copilote pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là avec moi pour euh, m'aider euh, avec le clavardage, entre autres. Donc, n'hésitez pas, là, je sais vos micros sont, sont fermés pour le moment, mais euh, vous avez accès au clavardage sans problème. Donc, n'hésitez pas à écrire des questions euh, au fur et à mesure. Brigitte Louise va soit y répondre euh, spontanément ou sinon, elle va m'arrêter là euh, au besoin. Et il va y avoir une période de questions à la fin. Donc, le déroulement. On a un, une heure très, très bien remplie ensemble pour faire un petit survol ici de tout ça. On va commencer par parler de triangulation des traces d'apprentissage, ensuite de qu'est-ce que c'est un dossier d'apprentissage en tant que tel. On va survoler les différentes fonctionnalités de Book Creator. Vous allez vivre Book Creator en tant qu'élève et en tant qu'enseignant. Puis à la fin, là, vous allez avoir d'autres ressources qui vont vous être remises. Donc, sans plus tarder, triangulation des traces. Je vous avertis, je vais aller quand même assez rapidement sur les deux premiers euh, éléments d'information parce que toutes les informations se retrouvent dans les pages du livre et euh, je veux vraiment maximiser le temps qu'on a ensemble pour la, le, le volet atelier en tant que tel. Donc, euh, les informations là, si au besoin, vous allez pouvoir les consulter par la suite. Alors, triangulation des traces. C'est encore plus important de parler de ça maintenant qu'on a accès, que les élèves ont accès entre autres à ChatGPT et à d'autres outils d'intelligence artificielle, euh, de vraiment là, euh, euh, utiliser la triangulation des traces pour conserver. Euh, toutes sortes de traces différentes à travers euh, les, euh, les, 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 les cours, donc des traces de, conserva de voyons, conversation, des traces d'observation et des traces de production, tout ça pour avoir vraiment un portrait global de, du processus puis du développement des compétences euh, des élèves. Plus particulièrement, son... Regarde les observations. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer euh, des, des, des présentations, des débats, des démonstrations, etc. Et ce qu'on peut recueillir comme traces, c'est via des grilles d'observation, des listes de vérification, des vidéos, enregistrements, etc. Et Book Creator permet d'avoir tout, tout ce type de traces-là. Ensuite, au niveau des conversations, bien sûr, les élèves peuvent faire euh, des conversations entre eux, des entrevues, euh, des discussions. Euh, et encore une fois, on a différents types de traces qui peuvent être conservées, qui sont aussi, comme tout à l'heure, très, très faciles d'intégration dans Book Creator. Au niveau des productions. Là, c'est sûr que quand on parle de production physique comme une maquette, par exemple, il va falloir plutôt en prendre des photos euh, et tout, euh, des, des, des éléments comme ça. Mais euh, c'est possible d'ajouter toutes sortes de médias différents à l'intérieur de Book Creator. Donc, c'est vraiment le, 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 un, un, un outil très, très puissant. Qui peut, qui peut même servir aussi de, de portfolio, journal, etc. Ça peut servir de stratégie évaluative en tant que telle et euh, aussi de, de lieu pour cons euh, consigner les traces. Donc ça, c'était très, très rapidement là, un survol du, de la triangulation des traces d'apprentissage. Mais quand on parle de dossier d'apprentissage, plus particulièrement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une collection de travaux et d'indices qui servent à illustrer le cheminement de l'élève. Là, on ne parle pas de portfolio ici. C'est différent. Le portfolio, l'élève va choisir des travaux, des, 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 des éléments particuliers qui vont représenter l'état de l'atteinte de sa compétence. Mais ici, quand on parle de dossier d'apprentissage, c'est vraiment tout. C'est à travers le cheminement au complet. Donc, on peut avoir des traces autant au début du, du, de, de, du développement de la compétence, au milieu, à la fin. Bref, c'est vraiment là pour voir le portrait au complet. Et pour qui, là, ici, on est vraiment, euh, Brigitte Louise et moi, représentative des arts, du domaine des arts, représentante du domaine des arts, mais euh, ça s'applique à n'importe quelle discipline. On n'a pas besoin d'être en art pour euh, réaliser et tenir un dossier d'apprentissage. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à démontrer les forces et défis des élèves, euh, même développer leur sentiment d'appartenance en se partageant un peu les, 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 les traces et bien sûr à démontrer le progrès à travers leurs apprentissages. Donc, quel type de contenu on peut retrouver dans un dossier d'apprentissage? des réalisations, et c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, les meilleures comme les moins bonnes. Donc, ce n'est pas un portfolio, ça ne sert pas à montrer, ah, oh, voici là, le, le meilleur de ce que je suis capable de faire. C'est vraiment là, euh, autant les moins bonnes que les meilleures qu'on qu met dans le dossier d'apprentissage. On montre différentes démarches, processus, des, des stratégies, les réflexions. Ça, c'est très important. Les élèves écrivent des réflexions ou peuvent enregistrer des réflexions audio sur leur, leur processus. On peut, nous aussi, ajouter euh, des évaluations diagnostiques ou d'autres évaluations à l'intérieur euh, du euh, dossier d'apprentissage. Euh, les bons coups et les défis, bref, bons et mauvais. C'est vraiment un portrait global qu'on doit insérer dans un dossier d'apprentissage. Le contenant, évidemment, ça peut être analogue, ça peut être un scrapbook, il euh, n'y a pas de problème, ça peut être numérique, euh, comme ici avec Book Creator, mais l'élément important, c'est qu'il faut que ça soit facile d'accès. Et c'est pour ça que j'aime Book Creator, parce que c'est tellement facile, les élèves peuvent se servir de ça vraiment, vraiment aisément, peu importe l'âge, euh, le niveau. Euh, c'est très, euh, très, très, très facile à utiliser. Donc, ça répond à ce besoin-là, parce que si c'est difficile d'y accéder, les élèves vont être moins enclins à aller justement ajouter des traces euh, au fur et à mesure. Donc, différentes caractéristiques. Euh, un dossier d'apprentissage, c'est personnel. Donc, ce n'est pas un portfolio. Ça sert pas à être présenté à tous. C'est vraiment personnel. C'est évolutif. Donc, ça, ça, ça c'est utilisé tout au long de l'année. Euh, c'est organisé. Donc, on peut organiser par étapes. On peut organiser par thème, par projet. On peut organiser de différentes manières. Euh, ça peut être partagé de manière collaborative. Donc, on pourrait, euh, par exemple, un travail d'équipe. On pourrait partager euh, des pages d'un dossier d'apprentissage pour montrer comment on a travaillé ensemble. C'est daté évidemment. Là, faut voir euh, euh, c'est quoi, les, 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 à quel moment ces apprentissages-là ont eu lieu. Et euh, ça peut être transdisciplinaire aussi. Donc, euh, le, le, le livre. <coughs> Peut être partagé avec, euh, de, de, pour, pour faire état de tout le portrait de l'élève dans chacune de ses matières. Donc, euh, des petites notes en bas, ce n'est pas un cahier d'exercice. L'enseignant n'a pas à tout voir, tout corriger, tout contrôler. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est vraiment l'élève va ajouter des traces au fur et à mesure, puis euh, l'enseignant choisit des moments où il veut aller consulter pour voir le portrait. Et ça peut s'étendre sur plusieurs années aussi. Par exemple, au primaire, ça pourrait être sur un cycle au complet. Euh, ça, ça peut se partager et ça peut euh, euh, se trans, se, surtout avec Book Creator, ça peut se transférer dans un autre, dans la bibliothèque d'un autre enseignant. Et euh, ça va permettre à l'élève de mieux se connaître en voyant tout le parcours qu'il a réalisé. Donc, différents avantages là, au niveau de la participation à son évaluation. Évidemment, il va être plus actif, l'élève va être plus actif dans son, dans, dans, dans son évaluation. Ça va stimuler la réflexion, la métacognition parce qu'il doit euh, choisir c'est quoi les traces, comment il va les présenter, euh, les réflexions qu'il va aller ajouter. Ça encourage la communication, donc qu'elle qu soit écrite, verbale, vidéo, sonore, etc. Et la collaboration aussi, comme on va voir avec Book Creator, on peut euh, collaborer. Euh, et pour l'enseignant, donc, ça va permettre de porter un, un, un jugement plus euh, euh, global en voyant vraiment le parcours au complet du début à la fin euh, de tout ce que l'élève a inséré à l'intérieur de tout ça. Et bien sûr, l'enseignant peut rétroagir. Donc, on peut ajouter des commentaires sur les pages. On peut rétroagir là. Euh, euh, à chaque, à chaque euh, élément ajouté. Donc, 5 C à se rappeler pour le dossier d'apprentissage. Connaître, communiquer, collaborer, célébrer et reconnaître. Donc, on reconnaît les compétences qui sont développées, etc. Ouh, OK, survol de Book reader. <laughs> Alors, je sais que ça va vite, mais vous avez toutes euh, les informations là... Euh, est-ce qu'il y avait des questions jusqu'à présent, M. Louise? Euh, non, il n'y a pas de questions. Je tiens à souligner que j'ai mis le lien où sera disponible l'enregistrement. C'est qu'à un moment donné, quand on va commencer les exercices, si vous voyez que ça va vite ou euh, parce que là, votre microphone est comme bloqué et on vous a bien témoigné que c'était une action qui était volontaire. Donc, euh, l'enregistrement, dès qu'il sera disponible, vous avez déjà le lien dans le clavardage. Et euh, je ne sais pas si c'est le moment de le dire aussi, mais tous les lundis, on a un risque. Oui, je le dis à temps. la fin. Ouais. OK, parfait. <rire> <rire> Merci. Donc, Book Creator. Alors là, vous avez peut-être connu ou vous connaissez peut-être déjà l'application mobile Book Creator. Et là, ici, c'est vraiment différent. Donc, moi, je vais vous présenter la version en ligne. Alors, c'est vraiment pour ça que j'ai ajouté le, les mots en ligne dans le titre du webinaire, parce que c'est important. C'est deux choses complètement différentes. Donc à gauche les, les caractéristiques de l'application mobile, puis à droite de la version en ligne. Donc au niveau de la, de, de, de la version mobile, c'est un, un montant, donc c'est 3,99 par appareil. Euh, donc c'est une application qu'on doit télécharger et euh, on ne va pas en ligne. C'est vraiment tout est hébergé à l'intérieur de l'appareil. Donc, il n'y a pas de connexion. On n'a pas besoin justement d'avoir une connexion mobile, euh, Internet, pour, euh, pour pouvoir créer des livres, euh, etc. Euh, les élèves n'ont pas besoin de se créer de compte non plus. Donc, ils ouvrent l'application, déjà, ils peuvent commencer à créer. Il y a un nombre illimité de livres. Il n'y a pas du tout de limite. C'est limite, la limite, c'est le stockage de, de, de l'appareil, mais on est capable d'en stocker beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, on un petit, un petit bémol, par exemple, c'est qu'on peut voir et modifier les, les livres des autres si le iPad est partagé. Donc, si c'est si une flotte d'iPad qui est euh, partagée à travers l'école ou euh, la classe, puis que ce n'est pas vraiment assigné à un élève, mais ça se peut que quelqu'un modifie ou supprime même le livre de quelqu'un d'autre euh, par inadvertance. Et euh, au niveau de la publication, pour publier en ligne, l'enseignant ne peut publier que 10 livres. Donc ça, c'est pour la version mobile. La version a... Internet, oui. Il euh, y a déjà une question qui est comme d'avance pour la version web. Euh, je spécifie, c'est le compte de l'élève ou de l'enseignant pour la version web. Là. Je sais que tu t'en vas là, là. Oui, donc euh, à la fois compte élève, compte enseignant, il euh, y a une version gratuite, mais. Euh, euh, je, je, je vais montrer les détails plus sur la page suivante. <laughs> Sauf que la version en ligne, elle, euh, ce que, ce que, l'avantage qu'elle a par rapport à la version mobile, c'est qu'on peut soit permettre ou non de voir les autres livres. Donc, que l'élève à l'intérieur de la bibliothèque soit capable ou non de voir les autres livres qui sont publiés dans la bibliothèque. Donc, on peut, on a vraiment un pouvoir là-dessus. C'est intéressant quand on fait un dossier d'apprentissage, justement, si on veut que ça soit personnel, si on ne veut pas que les autres élèves puissent lire et voir c'est quoi les réflexions personnelles que l'élève écrit à propos de ses, de, de ses apprentissages. Euh, mais ça, c'est une fonctionnalité vraiment intéressante. On peut publier massivement toute la bibliothèque. Donc, s'il y a 100 livres dans la bibliothèque, on peut publier d'un coup tous les 100 livres de la bibliothèque sans problème. Et euh, ça nous donne accès aussi à des outils web comme de la recherche d'images. Oh, j'ai écrit des cartes Google. C'est des cartes Google, évidemment. Euh, donc, on, ça nous donne accès à, à toutes sortes d'autres euh, outils web, évidemment, vu qu'on est en ligne. Et on peut suivre les modifications en temps réel. Donc, dès qu'un élève est en train de changer une, une image, changer un, ajouter un S sur son, pour son accord, on le voit tout de suite instantanément. Donc, ça, c'est des avantages là, euh, au niveau du site web vers via, euh, voyons, contrairement à la version mobile. Maintenant, la différence entre un compte gratuit et un compte pro. Ah oui, dernière petite chose, les deux ne se parlent pas. Okay? C'est deux choses complètement différentes. Donc, l'application mobile, ce n'est pas du tout la même chose que la version en ligne. Ça ne se parle pas, ce n'est pas. Ce n'est pas la même chose du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, c'est deux entités complètement différentes. Alors, euh, compte gratuit, c'est possible de se créer un compte gratuitement sur Book Creator en ligne. Ça nous permet d'avoir une bibliothèque qu'on partage avec nos élèves. Dans cette bibliothèque-là, il faut, faut penser vraiment à la bibliothèque dans le sens de tablette. Ce pas des sièges, ça appartient pas à des élèves en tant que tel. C'est vraiment des tablettes qu'on a. Puis, on peut avoir sur ces tablettes-là 40 livres. Il peut y avoir 200 auteurs. Il peut y avoir toute l'école au complet qui, qui, qui fait partie de cette bibliothèque-là, mais à l'intérieur de la bibliothèque, il y a juste 40 livres qui peuvent être affichés sur la tablette. C'est ça la différence. Euh, C'est pas possible de collaborer. Ah, nous n'avons pas accès au clavardage. Édith, euh, <laughs> vive la débrouillardise, Édith, merci, j'aime ça. <laughs> Ah, c'est étrange parce qu'il y a des gens qui, qui clavardent, oui, effectivement. C'est ça. Comment ça, Kédite ne fait pas partie du club ben sélect des clavardeurs? <laughs> si plus... euh, est-ce que tu as accès au QA? Ah oui, je vois, OK, je ne vois pas le clavardage. Bon. Euh, puis Ah oui, puis il y a d'autres personnes, Mélissa Giguère aussi. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas accès au clavardage. C'est curieux ah non, parce que d'habitude, en format webinaire. Le, oui. le, euh, les questions, euh, le QR, question-réponse, mm -hmm. je vais surveiller le QR et le clavardage. Merci. Donc, je vais beaucoup, pouvoir répondre beaucoup. aux deux places. <rire> <rire> Parfait. OK. Donc, euh, alors, c'est ça. Dans la version gratuite, ce n'est pas possible d'activer la collaboration entre les élèves. Donc, les élèves ont vraiment, ils travaillent dans leur livre uniquement. Ce n'est pas possible de co-enseigner non plus. Ce n'est pas possible d'ajouter d'autres enseignants dans notre bibliothèque pour que, les, pour que les deux enseignants ou les trois, dix, peu importe là, le nombre d'enseignants de, qu'on veut être, pour que les autres enseignants puissent en même temps voir les livres qui sont créés à l'intérieur et commenter et interagir là, à, à, à travers les livres. Et au niveau des formes, là, des icônes, etc., on a vraiment les, 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 les éléments de base uniquement. Euh, la version payante, c'est 120 US, donc euh, ça dépend là, des années, ça dépend du taux de change, c'est 160, je pense que je viens de payer 167 quelque chose comme ça, euh, pour l'année. Euh, ça donne accès à un nombre illimité de bibliothèques, donc il n'y a pas de problème, euh, on peut créer autant de bibliothèques qu'on veut. C'est juste qu'en tout et partout, dans tout ce qu'on crée, on peut juste avoir 1000 livres sur les tablettes. Donc, on peut archiver des livres, il n'y a pas de problème, euh, mais qui sont affichés sur les tablettes, on peut juste en avoir 1000. Euh, chaque bibliothèque peut contenir jusqu'à 200 livres. Euh, c'est possible d'avoir la collaboration entre les élèves, c'est possible de co-enseigner, donc d'inviter des enseignants avec, à partager la bibliothèque avec nous, et on a accès à plus de 2 millions d'icônes du Noun Project donc des icônes libres de droit. Alors, maintenant, au niveau de la connexion, c'est très important quand on arrive sur euh, Book Creator et qu'on euh, clique sur Login pour se connecter, on peut soit arriver à la page jaune ou soit arriver à la page bleue. Et c'est très important de faire la différence. La page bleue, c'est la connexion enseignante, puis la page jaune, c'est la connexion élève. Donc là, on ne va pas s'inscrire. Si vous n'avez pas encore de compte, créez-vous pas un compte. Et élèves, allez vraiment vous, vous connecter euh, euh, pour créer un compte enseignant. Et si jamais vous avez la page jaune, vous cliquez ici sur le lien basculer vers enseignant pour accéder à la page bleue. Et donc, je vais poursuivre. Ouais. Alors pour euh, débuter, vous allez avoir dans le fond votre première euh, bibliothèque. Là. Vous avez votre, euh, vous avez une, une, une première bibliothèque qui est déjà créée pour vous. Vous pouvez la renommer sans problème. Quand vous êtes à l'intérieur de la bibliothèque, vous avez un petit, une petite roue dentée en haut à droite qui vous permet d'accéder aux paramètres de la bibliothèque. Et là ici, vous allez pouvoir la renommer. Et ensuite, il y a différents paramètres à activer ou désactiver. Donc, la recherche d'images, ça, c'est pour être capable de chercher des images en ligne. Là, les images en ligne, c'est sécuritaire. là, C'est quand même Book Creator qui, qui, qui a des liens avec, avec Pixabay et autres. Donc, c'est vraiment des images sécuritaires. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais peut-être que vous pourriez ne pas vouloir que vos élèves aillent chercher des images ailleurs parce que vous voulez qu'ils soient uniquement dans leur propre création. Alors ça, ça pourrait être quelque chose qui soit désactivé. Euh, ici, éditer leur propre livre. Donc évidemment, là, au début, on laisse éditer, mais si on a une date de tombée, si on dit, bon, ben, à partir de telle date, moi, je veux évaluer, je veux, je veux, je veux regarder ce que vous avez fait, je ne veux plus qu'il y ait de modifications, alors là, il faudrait décocher cette, cette fonctionnalité-là pour euh, bloquer tous les livres. Après ça, on la recoche, là, il n'y a pas de problème pour permettre d'ajouter de, des, des nouveaux éléments. Ensuite, oui. Marie-Ève. Euh, je pense que je sais la réponse, mais comme je ne veux pas dire des niaiseries, je vais me virer vers, je vais me tourner vers toi. Les images sont bien libres de droit que demande oui. euh, Jocelyne. Absolument. Oui, parfait. Merci. Bienvenue. Ensuite, euh, ici, les étudiants peuvent lire les livres des uns et des autres. Ça, c'est ce que j'ai mentionné un petit peu euh, tout à l'heure. Donc, ici, on peut décocher. Pour euh, justement, quand on veut faire un dossier d'apprentissage, euh, c'est une fonctionnalité qu'on décocherait à la base parce qu'on ne voudrait pas que les, les, les élèves puissent aller lire les livres des autres et les réflexions personnelles. Donc, il faut que l'élève se sente à l'aise d'écrire de, 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 ce qu'il a envie d'écrire euh, sans le regard des autres. Donc, ça, ici, on décocherait cette fonctionnalité-là. Publier leur livre en ligne, par défaut, c'est déjà décoché. Et on le laisse décocher, évidemment, parce qu'on ne veut pas que les élèves aient publier leur dossier d'apprentissage en ligne. C'est un outil d'apprentissage, ce n'est pas un portfolio en tant que tel. Donc, ça aussi, on ne, on ne permettrait pas ça euh, pour le moment. Peut-être dans une autre bibliothèque, pour un autre, si on veut que les élèves créent des BD ou quoi que ce soit, peut-être que là, dans un, dans un autre cas, on voudrait les laisser publier leurs livres, mais pas dans ce cas-ci. Et ajouter des commentaires. Donc, ça, c'est la, la possibilité d'ajouter des commentaires sur chacune des pages. Donc, ça, ça permet justement de rétroagir et d'avoir une discussion avec l'élève, avec l'enseignant, sans, sans, sans écrire à l'intérieur de la page en tant que telle. Donc, ça ajoute des commentaires euh, sur les côtés. Donc, ça, c'est très efficace justement dans, dans un contexte de euh, dossier d'apprentissage. Et à la fin, si jamais, là, ça, c'est pas pour cette bibliothèque-ci, mais si jamais vous avez une bibliothèque de BD, par exemple, c'est ici que vous allez pouvoir la publier euh, au complet en ligne pour que les parents puissent aller lire les BD des élèves. Alors, différents livres et quels euh, livres et c'est qu -ce que, que, livre quoi les bibliothèques? Donc, les livres qu'on peut créer, on peut créer différents formats donc, portrait, carré, paysage et il y a des formats de BD aussi. C'est important de savoir que si on veut la, les fonctionnalités BD, c'est-à-dire des cases qui se, qui se modifient automatiquement, euh, euh, que, que l'image se rongue, je veux dire, que l'image se rongue automatiquement à la forme de la case, il faut vraiment choisir le format BD parce qu'on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas ajouter ce type de case-là si on a choisi un livre euh, normal. Ça, c'est quelque chose à savoir. Il y a un petit tour de passe-passe pour pour faire autrement, là, mais à la base, on ne peut pas faire ça. Il y a des modèles qui sont déjà euh, publiés par Book Creator, donc des modèles style euh, revue, euh, journal, etc. Et même des thèmes aussi, si on veut un thème euh, médiéval, un thème grunge, euh, bref, il y a différents thèmes qui sont déjà établis, mais les élèves aiment souvent le partir de, de zéro et créer leur propre, euh, vraiment personnaliser comme ils veulent euh, leur truc. C'est possible aussi de euh, commencer à partir d'un PDF. Donc, vous pouvez importer un PDF puis créer un, un livre avec un PDF que vous avez. Donc, ça pourrait être une présentation PowerPoint, par exemple, que vous téléchargez en format PDF et vous l'insérez ici pour pouvoir l'utiliser euh, comme page à l'intérieur d'un livre. Et euh, comme je disais, vous pouvez avoir autant de, avec la version Pro, vous pouvez avoir autant de bibliothèques que vous voulez qui sont partageables avec d'autres et vous avez en bas la section ici partager avec moi si vous faites partie d'autres bibliothèques et c'est ce que vous allez faire dans quelques instants. Alors il y a toutes sortes de médias qu'on peut ajouter dans Book Creator, des images, autant des images de l'ordinateur que des images trouvées sur le web, on peut utiliser la caméra pour prendre des photos et enregistrer des vidéos, on peut dessiner. Là s'il y a des profs d'art parmi nous, c'est pas ce n'est pas un outil de dessin là, artistique vraiment. C'est vraiment juste des petits stylos pour faire des petits croquis. Il euh, ajoute de plus en plus de polices de caractères, donc plein de différents formats de texte possibles. C'est possible aussi d'enregistrer des, euh, des captures sonores. Et on peut connecter à différentes applis. Donc ça aussi, on en ajoute euh, euh, de plus en plus. Donc on peut connecter à, à Canva, on peut connecter à Google Maps, on peut connecter à toutes sortes de choses. Alors le volet élève. Donc là, vous allez être invité à rejoindre ma bibliothèque. Vous n'êtes pas élève, mais vous allez fonctionner comme élève dans le sens de que je vais vous faire faire des exercices. Euh, alors vous allez aller à au, au départ à mes bibliothèques. Si vous n'avez pas cette vue-là ici présentement, je vais juste retourner ici comme ça. Alors, si vous êtes, par exemple, dans la vue euh, comme ça ici, mes livres, comme ça, vous allez ici, les le, le, la petite gaufre en haut, là, le petit, euh, les petits euh, trois lignes, vous cliquez là-dessus pour accéder à l'interface du tableau de bord. Et vous cliquez en bas sur Rejoindre une bibliothèque. Et là, vous allez écrire le code BYFFSB5. Donc, vous allez être intégré dans ma bibliothèque en tant qu'auteur. Je vais juste aller vérifier ici combien de personnes. Alors, on a 13 auteurs. Donc, on, vous voyez, on voit instantanément là, qui a rejoint euh, la bibliothèque. Je retourne ici. Donc, le code BYFFSB5 pour rejoindre la bibliothèque. Alors là, vous allez vous faire une copie du présent livre, donc le livre que j'utilise en ce moment pour vous présenter les euh, différentes informations. Vous allez vous faire une copie en allant ici en bas sur l'icône avec les trois, les trois petits livres. Vous cliquez sur cette icône-là. Et ensuite, vous allez euh, cliquer sur copier le livre. Et vous allez choisir de le copier à l'intérieur de la même bibliothèque. Donc, vous restez dans la bibliothèque Webinaire 15 décembre. Et là, ça va générer un livre qui s'appelle Copie, Cahier, euh, tout ça. Mais là, moi, je vous demande de renommer, donc d'écrire votre prénom. Ça peut être votre nom de famille au complet aussi, mais au moins prénom avec peut-être la première lettre du nom de famille, euh, juste pour qu'on puisse retrouver plus facilement là, euh, chacun des livres à qui appartiennent-ils. Donc, je vois déjà ici plein de copies des livres. Ça prend quelque temps parce qu'il est assez lourd. Il y a beaucoup de pages, donc ça prend quelque temps avant qu'il <laughs> qu soit généré. Et vous me rejoignez sur cette page-ci. Alors la page en tant que telle, c'est la page. 26. Vous pouvez, avoir, vous pouvez avoir accès à la trieuse de pages en allant ici. Euh, où est-ce qu'on voit la, la trieuse de page? Avec les quatre petits carrés en haut à droite pour pouvoir aller rapidement à une page en particulier au lieu d'aller vraiment cliquer avec les, euh, avec les euh, triangles, là, les. Euh, Comment savoir où est mon livre? Euh, ça devrait être le seul qui est éditable. Parce que je vais juste aller vérifier que j'ai bien. Euh, oui, j'ai activé la collaboration, mais vous n'avez pas encore. Il euh, faut, faut demander de collaborer avec le livre de quelqu'un d'autre. Habituellement, c'est le dernier qui est créé qui va apparaître. Là, je ne vois pas ici. Quand j'ai un... créé ma copie, j'avais l'option de le mettre soit dans ma classe de prof ou encore dans mes livres, qui semble être une collection privée. C'est ce que j'ai choisi comme endroit pour déposer mon livre. C'est que si j'ai eu cette question-là, je présume que Jocelyne que... a eu la même. C'est ça, il faut vraiment le, aller le copier à l'intérieur de cette bibliothèque-là si on veut pouvoir collaborer ensemble. Ça va faire partie d'un des, des exercices, ça va être la collaboration. Mmh. Donc, il faut copier le livre à l'intérieur de la même bibliothèque. Donc, ici, quand je, je vais revenir en arrière. Alors, on copie, on le copie ici dans Partager avec moi. Ah, on ne choisit pas mes livres ni euh, oui, voilà. un autre. Là. On va choisir vraiment le, ce webinaire-ci. Alors, si jamais ça ne se retrouve pas, dans cette bibliothèque-là, c'est peut-être parce qu'elle a été copiée dans une autre bibliothèque. Donc, là maintenant, il y a une série de tâches que je vous amène à faire pour prendre en main les différentes fonctionnalités de Book Creator. Alors, je vais me mettre en mode éditeur, je vais retourner ici en mode éditeur. La trieuse de page, elle est en haut à gauche cette fois-ci quand je suis en mode éditeur je vais retourner à la page 27. Donc, la première tâche, c'est de cliquer sur le plus jaune, c'est toujours ça commence toujours à peu près la même façon. Donc le plus jaune est en haut à droite et de choisir l'option image. Ensuite, on va transférer une image depuis l'ordinateur. On va choisir notre image, on va cliquer sur ouvrir. Après ça, on va la redimensionner puis la poser ici dans la case du haut. Ensuite, on va refaire toutes ces étapes-là. Donc, cliquer sur le jaune, le plus, euh, choisir l'option image. Mais là, cette fois-ci, on va aller faire une recherche d'image et on va placer cette image-là dans la case du milieu. On va euh, ensuite ici cliquer sur le plus qui est à l'intérieur de la case. Donc, c'est pas la même chose que les autres. Les autres, c'est vraiment c'est une forme. Et ici, c'est une case de BD. C'est ça le petit tour de passe-passe que je disais tantôt. Parce qu'à la base, c'est un livre normal, ce n'est pas une BD. Donc, ici, vous allez pouvoir cliquer sur le plus et ajouter une image de votre choix, que ce soit de l'ordinateur ou d'une recherche d'image, peu importe. Donc, je fais l'étape avec vous. Faites-le en même temps que moi. Alors, le plus jaune, on choisit l'option images. Et après ça, on commence avec transférer depuis un ordinateur. Je n'ai pas fait de sélection, là. je vais juste prendre la première chose qui me vient là, qui, qui est en haut à gauche dans mon euh, dans ma bibliothèque. Et là, quand je clique sur l'image, je vois apparaître un cadre bleu avec des cercles bleus autour qui me permet d'aller redimensionner. Donc, je peux redimensionner par le coin. Donc, ça va redimensionner vraiment en gardant les. Euh, le... Le format euh, de base. Donc, je ne peux pas aller redimensionner par la gauche, en haut. C'est vraiment le coin. Là, je redimensionne tout en même temps. Mais j'ai un petit point vert qui me permet de faire une rotation ici au besoin. Et là, quand je suis au centre, j'ai un espèce de, de. Je vais le mettre ici comme ça. Là. Donc, j'ai un, un, un curseur avec des flèches, quatre flèches. Et ça, ça me permet d'aller bouger. D'aller déplacer mon image. Le titre, OK, oui, ici, je vais juste retourner. Donc, pour, pour modifier le titre, quand on clique dessus, quand on clique sur les trois petits points, dès qu'on clique à l'intérieur du titre, on peut ici aller changer le titre et l'auteur. Donc, à la base, c'est moi, l'autrice, parce que c'était mon livre. Alors, vous avez tous le même. Et ça, c'est une excellente stratégie ici. C'est qui ça, Nathalie? J'adore d'aller se mettre un petit, euh, une petite image représentative. Comme ça, ça va être c'est plus facile de retrouver quel est votre livre à l'intérieur de la bibliothèque. Donc, ici, allez, euh, vous pouvez vous ajouter en page couverture une petite image qui vous représente. OK, donc je continue ici. Alors la deuxième option, c'était d'aller euh, encore une fois les images, mais cette fois-ci d'aller faire une recherche d'images. Donc là, ici, on va chercher un sapin. Je vais prendre celui-ci. Et vous voyez ici, image trouvée sur cette page Pixabay. Donc c'est vraiment une image qui vient de Pixabay qui s'insère comme celui que je peux redimensionner et aller déplacer à l'intérieur de la case du milieu. Pour la dernière case, là, cette fois-ci, il faut aller cliquer sur le plus au centre parce que c'est une case de BD. On clique sur le plus et on choisit l'option Image. On fait encore la même chose. Je vais écrire un Cadeau. Mais là, cette fois-ci, donc elle est euh, déplaçable à l'intérieur du cadre. Donc j'ai le pavé ici qui me permet de déplacer l'image. Quand je clique dessus, je peux aller déplacer dans le fond l'image, la redimensionner, et elle va se renier, elle va rester vraiment euh, à l'intérieur du cadre prédéfini. Donc ça c'est pour ajouter des images. Je poursuis. Page suivante. Utilisez la caméra. Là, je sais que ça, ça déboule quand même assez rapidement. On a, il nous reste comme euh, un petit peu plus de 15 minutes. Euh, je, dans le fond, les, les tâches sont toutes. Vous avez accès au livre, vous avez une copie du livre. En passant le livre, il est... Euh, publié en ligne et remixable. Donc, il peut être utilisé avec vos euh, dans vos milieux là, sans problème si vous voulez redonner cette formation. Euh, utiliser le livre avec vos collègues là, pour qu'ils qu apprennent à prendre en main le, les outils de Book Creator. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire euh, gratuitement. <laughs> Donc euh, pour euh, la caméra, alors ici, encore une fois, on clique sur le plus. On va accéder à l'option caméra. Il va falloir autoriser. Donc, à chaque fois qu'on est en ligne, ça nous demande toujours d'autoriser l'accès à la caméra. La première tâche, c'est de prendre une photo et on redimensionne et on la pose dans la case du haut. Et la deuxième tâche, qui est plus bas ici, la numéro 5, c'est de faire une vidéo qu'on vient placer ici, redimensionner et placer dans la case du bas. Alors, je clique sur le plus. Je choisis l'option caméra. Et là, je dois autoriser. Donc, j'ai la caméra ici. Je clique sur Prendre une photo. Je clique sur Utiliser <laughs> la photo. Et je viens la redimensionner et la glisser <laughs> dans la case du haut. Et je fais la même chose maintenant, mais cette fois-ci, une vidéo. Donc, le plus encore une fois, la caméra. Et là, je clique sur l'option ici, Enregistrer la vidéo. Donc, ça me donne un petit compte à rebours. Voici ma super vidéo. J'arrête la vidéo en haut à droite et je clique sur Utiliser la vidéo. Ça prend quelques instants à traiter. Puis après ça, je vais pouvoir la redimensionner et la placer dans la case du bas. Peu de temps. Bon, je vais, laisser, euh, je vais la laisser euh, traiter. On va continuer. Maintenant, euh, le dessin. Donc, c'est le stylo qui permet de faire des croquis, comme je disais, pas de faire des œuvres euh, extraordinaires. Donc, le plus ici, qui me permet de choisir des stylos. Là, il y a, le point 2, je dis choisir un des quatre premiers crayons. Donc, un seul. On choisit une taille, une couleur, comme on veut, et on dessine une forme fermée. Puis, on clique sur Terminer. Parce qu'après ça, au point 3, on va aller repositionner là, notre dessin à l'intérieur de la case du haut, mais on va utiliser le saut pour remplir notre forme avec la couleur. Donc, il faut vraiment qu'elle soit fermée, sinon, on ne pourra pas remplir. Et la deuxième tâche pour la deuxième case, dans le fond, ça va être encore de prendre le stylo, mais cette fois-ci, on va prendre le stylo du bas, le dernier avec les petits dessins à droite. Et là, on va refaire le même dessin qu'on a fait en haut, mais on va voir c'est quoi les options qui nous sont présentées. Donc, je clique sur stylo. Je vais prendre celui-ci et je vais dessiner avec mon trackpad <laughs> un petit sapin comme ça. Donc, petite forme fermée. Je clique sur Terminer. J'ai ma forme ici qui apparaît, que je peux aller déplacer, redimensionner. Je vais aller la placer à l'intérieur de la première case. Et là, ici, en cliquant sur le crayon, je peux aller éditer puis dire Bon, ben je prends le seau et une couleur ici. Je vais aller prendre un petit vert et remplir l'intérieur du sapin. On a un petit brun pour le tronc. Et je clique sur Terminer. Donc, ma forme, elle est remplie. Deuxième tâche, c'est d'aller encore cliquer sur le plus et de choisir le stylo, mais cette fois-ci, on prend le stylo auto. Le stylo avec les dessins côtés. Et là, on dessine la même chose. Donc, je vais encore dessiner mon sapin. Ouf. Pas facile avec le trackpad. Et là, c'est magique, ça me donne des options en haut. Donc, ça, c'est très utile quand, on, euh, quand les élèves, par exemple, ils veulent avoir une icône, ils veulent avoir un élément qui va représenter leur idée, mais euh, ils ne sont pas très habiles pour le dessin. On peut aller rapidement esquisser le dessin et aller choisir parmi les options là, que l'IA a devinées. Alors, on redimensionne, on déplace. On peut cliquer ici sur le X pour fermer ça et avoir accès aux outils de base, dont le saut, justement, pour aller encore remplir notre sapin avec des couleurs. Donc, ça, c'est pour les icônes et les dessins. Jusqu'ici, tout va bien? La date, ça va très bien au niveau du clavardage, c'est tranquille, mais là, il y a une personne qui est en train d'écrire, ça fait que. Mais pour le reste, ça va. Puis, questions et réponses, là, j'ai plus d'intervention. Oh, j'ai un dixième commentaire, attends un petit peu. Pourquoi on est, euh, on est deux dans mon livre? C'est Edith qui demande pourquoi ils sont deux dans son livre. Ça doit être moi qui ai accès en cause de ma bibliothèque. Mais euh... ça, c'est le mien. <laughs> oui, c'est ça, j'ai vu. <laughs> j'ai copié Nathalie. <laughs> Je me suis mis Les, une photo euh... dessus. L'option euh... de collaboration est déjà activée. Ça se peut que okay. ça soit déjà. C'est ça. J'avais déjà activé l'option de collaboration pour okay. le temps. Donc, euh, ça se peut que. Euh... Mais la personne ne devrait pas être capable d'écrire dedans. Un peu consulter. Donc. Parce que quand on regarde ici dans l'engrenage, euh, j'ai mis que vous pouviez, ça c'était juste pour, pour être capable de voir ce que ça fait comme effet, justement, c'est les étudiants peuvent lire les livres des uns et des autres. Donc, vous pouvez voir s'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de consulter votre livre, mais la personne ne devrait pas avoir la possibilité d'écrire de, dedans, à moins que vous ayez accepté que cette personne-là collabore avec vous. Là, ici, des problèmes avec la caméra, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a deux personnes. Je voulais, je voulais te laisser finir ta France, là, mais il y a Guillaume qui est arrangé comme ça. Puis il y a Barbara Anne aussi. Là, j'étais en train de texter. Est-ce que vous l'avez autorisé? Je que... présume que oui. C'est oui. peut-être le navigateur. C'est ça. Les paramètres euh, qui ont été. Tu t'en rappelles, on l'avait vécu ce problème-là à la COPS. C'était un problème, tu sais, dans, dans l'appareil. Il faut euh, aller, euh, oui, c'est ça, dans le. Il y, y a un paramètre à aller. Ce n'est pas, pas dans le navigateur, c'est vraiment dans l'appareil en tant que tel qu'il y a un paramètre qui doit être. Euh, c'est ça. Puis parfois, c'est le navigateur aussi. Ça aussi, c'est c'était vérifier. Là. Et il y a Jocelyne aussi qui disait euh, 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 qu'il qu n'avait pas les mêmes outils, puis que ça semblait ne pas fonctionner. C'est que là, on comprend qu'on est dans un contexte de webinaire. On va quand même de l'avant. La session est enregistrée. On va pouvoir y revenir. On sait qu'on aimerait savoir de l'aide tout de suite. Là. Mais si c'est le cas, on va en parler un peu plus tard. Il y a le Ricciard au bout du fil où vous allez pouvoir venir puis avoir de l'aide individuelle. Des fois, on a besoin. C'est peut-être juste mmh. une petite affaire qui coince, mais là, vu qu'on est avec un groupe, c'est plus difficile. C'est parfait. Je te laisse yep. poursuivre. C'est bon. OK, parfait. Euh, ensuite, Merci, au niveau du texte, tiens. au niveau du texte, on a euh, plein de possibilités pour le texte. Là, j'avais mis, euh, c'est un petit commentaire, justement. On va le faire avec le filactère en bas, ici, au numéro 5. Mais euh, donc, au niveau du texte, la possibilité, euh, premièrement, d'utiliser, euh, euh, d'aller avec le plus, puis d'aller ajouter du texte en tant que tel. Vous allez pouvoir aussi euh, écrire, euh, vous allez pouvoir aussi dicter le texte. Donc, vous pouvez l'écrire en tant que tel, mais vous pouvez aussi le dicter. Et euh, vous allez pouvoir euh, ajouter des liens Web sur des mots à l'intérieur d'un texte. Et vous allez pouvoir euh, cliquer à l'intérieur d'une forme pour... Euh, écrire du texte donc ici là euh, c'est un euh, celui oups annulé donc vous allez pouvoir choisir une case et écrire du texte à l'intérieur de la case et l'autre option c'est d'ajouter des filacter donc il y a plusieurs possibilités différentes pour euh, pour le texte on va commencer en haut en cliquant sur le plus la première tâche ici en choisissant texte on choisit n'importe quel c'est pas grave on écrit un mot et on clique sur Terminer. Et là, après ça, on le place où on veut. Ah oh non, la première fois, c'était un paragraphe, hein, c'est ça. Je demandais d'écrire un paragraphe. Alors, c'est une histoire de, Oups, de Noël voyons, <laughs> j'ai de la misère avec mon tréma c'est une histoire de Noël quand tu écrit ton texte il oui. euh, y avait quelqu'un qui disait oui. peut-être que ma caméra ne fonctionne pas parce que ma caméra de Teams est ouverte je n'ai pas fait la vidéo mais j'ai fait l'exercice oui. avec la photo, puis je n'ai pas eu besoin de fermer ma caméra. Puis là, Marie-Ève va intervenir sur ce que j'ai dit. Oui, non, c'est ça, ça c'est ça. Il y a des appareils qui, qui font qu'il y a un conflit de caméra. Si, si okay. la caméra est déjà utilisée dans Teams, là, après ça, ça n'acceptera pas de l'utiliser aussi dans une autre application en même temps. Puis il y a aussi, si jamais vous avez installé là, des genre Snap Camera ou d'autres, des, des espèces de caméras virtuelles, ça aussi, ça peut entrer en conflit. L'appareil peut penser qu'on est en train d'essayer d'accéder de, de, à une caméra virtuelle qui n'est peut-être pas activée. Bref, c'est ça, il y a plusieurs paramètres qu'il faut euh, prendre en considération. Oups, donc ça, c'est le texte. Alors là, ici, le texte, quand on écrit du texte, on a les différents outils d'édition habituels. On a des puces. On a la possibilité de faire des exposants aussi si on veut faire des mathématiques. Il y a même les symboles ici. Euh, je vais cliquer sur « Terminer » parce que... Oups, voyons, « Terminer ». Parce que quand le, le, le texte est sélectionné, là, maintenant, je ne peux pas... Euh, en, en utilisant les petits picots, je peux juste redimensionner ici la fenêtre, mais, mais pas le texte en tant que tel. Ça, ça se retrouve dans l'inspecteur. Alors, chaque élément, chaque fois qu'on le sélectionne, il y a toujours... L'inspecteur ici, qui est contextuel, donc il va euh, avoir rapport à l'élément qui est sélectionné. Donc, étant donné que c'est du texte qui est sélectionné en ce moment, l'inspecteur va nous permettre de modifier ce texte-là. Entre autres, de le justifier à droite, à gauche, au centre, de changer la police de caractère, de euh, changer sa couleur, euh, de et de le mettre en colonne. Donc, c'est ça que je demandais de faire ici, d'aller mettre le texte en deux, trois colonnes, peu importe, d'aller changer l'espacement entre ces colonnes, d'ajouter de l'ombre, etc. Et ici, en haut, on a un petit, euh, une petite échelle qui permet de redimensionner le texte. Donc, on peut aller avec les plus, moins ou tout simplement euh, avec euh, le... Voyons, la, la, la glissière. Alors, j'y vais pour euh, une question. Oui. Euh, de, euh, on demande si le livre peut être partagé euh, pour un travail collaboratif. Alors, euh, c'est euh, dans les pages de début du document que marie vous a partagé. Euh, c'est bien mentionné que dans la version gratuite, il n'y a pas de collaboration entre les élèves et pas de co-enseignants et que les formes sont de base. C'est ça. Et, Donc, euh, le livre ça prend vraiment la version pro. Vous allez pouvoir collaborer ici parce que vous êtes dans ma bibliothèque. Mais sinon, si vous êtes dans votre propre bibliothèque, vous n'allez pas pouvoir collaborer. Vos élèves ne pourront pas collaborer. Là, je viens de. Je suis estomaquée. Il ne reste que quatre minutes. <laughs> Donc, rapidement, très, très rapidement ici. Alors, euh, le, comme je disais, pour le texte, on peut, euh, peu importe le texte qu'on utilise, on peut dicter notre texte. On n'a pas besoin de dire point à la fin. Dès qu'on arrête, ça met un point. C'est trop fort. C'est trop <laughs> fort. terminé. Alors, on a le texte ici qui a été ajouté. Je vais le supprimer parce que ça prend trop de place. Et euh, ensuite, les phylactères, donc sont dans le plus ici et dans les formes. Là, on va avoir des phylactères qui vont nous permettre d'aller euh, écrire du texte. Alors, on fait juste cliquer à l'intérieur du phylactère. On écrit notre texte. Et ce texte-là va être éditable encore dans l'inspecteur. Mais ici, l'inspecteur, c'est sur la forme à la base. Donc, la couleur euh, du flacteur, etc. Mais on a un petit paramètre de texte ici. Alors, il est caché, il faut le savoir. Paramètre de texte, on clique ici. Et là, ici, on peut aller changer, par exemple, la police de caractère ainsi que la couleur. OK. Donc, ça, je supprime aussi. On peut une fois sauvegardé, nos livres sont modifiables euh, en notant qu'on est logué dans notre compte, euh, on peut modifier tout le temps. Oui, parfait. Alors, euh, au niveau de l'enregistrement, donc, il y a encore ici dans le plus, il y a la possibilité d'enregistrer euh, du son. Alors, c'est bon justement pour en musique, évidemment, Brigitte-Louise. On peut enregistrer du son. C'est très, très simple. On clique sur, clique sur euh, utiliser l'enregistrement et ça fait une petite. Une petite un petit icône ici euh, pour indiquer qu'il y a quelque chose euh, de sonore. Donc, quand on est en mode lecture, on peut ici cliquer on peut enregistrer du son pour euh, euh, entendre le son. Mais on pourrait aussi vouloir cacher cette espèce d'icône-là ici. Donc, je vais juste aller euh, ajouter une image. Et on va reprendre mon sapin de tantôt. Donc, je pourrais prendre une image. Aller euh, mettre mon image ici comme ça. Et là, ici, oups, je vais dupliquer. Je, là, j'ai fait un clic droit et je fais copier ou, ou CTRL-C. Donc, j'ai. Oups, il ne l'a pas copié. En tout cas, je vais le mettre ici par-dessus, c'est pas grave. Placer derrière. Oups, il est allé trop loin. Ah, ah, ah. j'essaie d'aller trop vite. Oui, exact. C'est <laughs> Pendant que bon. tu fais cette opération-là, pour ceux et celles qui sont coincés dans le temps et qui doivent quitter, on vous rappelle que les lundis, on a le réciard au bout du fil. Je vous mets le lien euh, directement dans le clavardage. Alors, entre 11h et 13h, il y a une équipe qui est disponible pour répondre à vos questions sans rendez-vous. Je te repasse le micro, Marielle. <laughs> Merci. Je suis tellement plus efficace que ça. D'habitude, sur mon timing, c'est assez surprenant. Ça paraît que je suis en congé depuis quelques jours. Et que ouais, on est, est le moins la tête dedans. C'est dur de se remettre dedans. Mmh. Mais euh, c'est ça, vraiment désolé de ne pas... Euh, parce que là, je vois qu'on est rendu à la page 31 sur 42. Il en reste quand même beaucoup. Euh, d'éléments, de, 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 mais euh, tout est expliqué quand même pas à pas à l'intérieur du cahier. Et comme je vous disais, vous avez accès au cahier, vous pouvez vous en faire une copie. Il y a même les étapes à l'intérieur de ce livre-là pour vous en faire une copie dans votre bibliothèque à vous, pour le conserver pour vous. Il n'y a pas de problème. Et euh, c'est ça. Donc, euh, si euh, pour, ce, pour ceux qui veulent rester, moi, je, je, ça va me faire plaisir de terminer le livre avec vous, si vous voulez rester. Sinon, euh, je vous remercie énormément d'avoir été euh, avec nous. Et euh, j'espère euh, vous revoir euh, après les fêtes euh, dans un autre webinaire. On a un webinaire sur l'IA euh, au, euh, au mois de janvier. Un webinaire sur... Euh, toi, en as un sur l'enregistrement? Euh, C'est la cacaillerie techno en musique qui va être au mois de février. Puis on a les doigtés... En musique, notre midi multimédia du mois de janvier, puis notre midi multimédia du mois de février, ce sont les euh, Google Dessins qu'on qu qu aborde. N'oubliez pas que la session va être enregistrée. Alors, si vous n'avez pas le temps de rester avec nous aujourd'hui oui. même, l'enregistrement, vous pourrez compléter euh, de, de le visionner euh, à partir de la page web que je vais vous partager tout de suite à l'instant. Je l'avais déjà fait. Mais je vais le remettre dans le clavardage avant le, le Il y a le badge aussi de. Ah, je le mets où? S'il te, oui, te plaît. Oui, okay. je, mets donc, ça, euh, je mets ça en bon québécois, drette là. <rire> <rire> fait. Donc, badge, euh, je continue pour, compte ceux, compte qui, euh, pour ceux qui veulent rester. Voilà, on y va. Euh, oui, donc ici, j'ai me... encore cliqué dessus. Alors, ici, c'est possible de cacher cette icône-là. Pour, pour que, par exemple, on veut, on veut faire en sorte que la musique démarre quand on clique sur une image en tant que telle. Donc, on va aller dans l'inspecteur, puis on va cliquer ici sur l'option invisible lors de la lecture. Et ce que ça fait en plus, c'est que ça nous, ça nous donne d'autres manières de renier. Donc là, cette fois-ci, on peut vraiment aller l'ajuster pour le mettre de la même taille que notre image pour qu'on puisse cliquer sur l'image quand on veut faire jouer la lecture du son. Ça, c'était pour le son. Ensuite, au niveau des vidéos, c'est la même chose, sauf que là, on, 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 va, on va au plus pour ajouter euh, la caméra. Mais... Euh, on, non, ça, on l'a fait tout à l'heure. La caméra, on l'a fait. C'est qu'on peut ajouter des vidéos de notre appareil. Donc, il faut que ça soit MP4 ou Move. On peut ajouter ce type de, de, de vidéo-là, mais on peut aussi intégrer des vidéos YouTube. Et ça va être euh, intégrer sans pub. Donc, très, très pratique quand on veut euh, que les élèves aient accès à une vidéo de démonstration, par exemple, d'une technique, puis qu'après ça, eux autres, ils doivent s'enregistrer en train de faire cette même technique-là, par exemple. Euh, bref, ça peut être très utile. Donc, ce qu'on fait, c'est le plus ici en haut, et là, il faut aller sur l'onglet le, le, plus complètement à droite qui Va nous permettre d'ajouter des fichiers et ça, c'est plus bas. Donc, il faut vraiment défiler plus bas et d'aller jusqu'à Fichiers pour aller sélectionner nos euh, MP4 Move. Je vais chercher MP4. Donc, ici, ça va traiter et on peut le mettre dans la case. Ensuite, pour euh, YouTube, là, on est capable, sans utiliser le code iframe maintenant, d'ajouter une vidéo YouTube. On peut y aller juste avec le lien Web en, en choisissant l'option intégrée. Mais je vais quand même vous montrer le processus pour ajouter un iframe parce qu'on pourrait vouloir ajouter, par exemple, euh, une page Web, une page Wikipédia directement dans. Une page de euh, Book Creator ou, une, ou autre. Donc là, on voudrait utiliser le iframe pour que la page web s'affiche vraiment à l'intérieur de la page, que ça ne soit pas un lien à cliquer qui nous amène à l'extérieur. Donc, pour ce faire, je vais, je vais utiliser YouTube parce que c'est plus simple. Là, on a, on, a, on y a tous accès très très facilement. Je vais aller dans les euh, vidéos du réciur. On va prendre ici cette vidéo-là, peu importe, et on clique sur Partager la vidéo. Et là, après ça, on choisit l'option Intégrer. On ne copie pas le lien Web ici. Là. On peut faire, comme je disais tout à l'heure, maintenant, on peut dans, dans, dans Book Creator utiliser juste le lien YouTube, mais pour les besoins de la cause, on va choisir ici Intégrer. Et là, ça nous donne le code iFrame ici, qu'on copie. Il y a le petit bouton ici en bas à droite, copier. Donc, ça copie le code iframe. On retourne ici et là, on va aller sur le plus et encore sur plus. On va défiler jusqu'en bas pour choisir l'option intégrer. Et là, ici, on colle notre code d'intégration. Puis, on clique sur confirmer. Alors là, ça, on peut changer le titre au besoin et on clique sur ajouter. Et là, ça va vraiment nous ajouter la vidéo complète. Oups, ce pas la bonne ici, comme ça. Ça nous ajoute vraiment la vidéo au complet. Donc, ça pourrait être n'importe quelle page web, ça pourrait être un formulaire en ligne, ça pourrait être toutes sortes de choses là, euh, qui est intégrées avec le iframe. On est à la fin des exercices. <laughs> Donc, des petites astuces utiles. Euh, une petite astuce que je trouve vraiment le fun, c'est que justement quand on n'a pas accès au, euh, au non-project, si on est sur le compte gratuit, on n'a pas accès au, au, euh, aux icônes du non-project quand on fait image, euh, Quand on fait forme ici, on va avoir accès juste aux formes de base. On n'aura pas accès, ça mettons je cherche sapin. Moi, j'ai accès ici, en cherchant sapin, j'ai accès à des millions de sapins différents. Euh, mais avec la version gratuite, vous, vous n'avez probablement pas accès, même si vous êtes dans ma bibliothèque, vous n'avez probablement pas accès à ça. Si vous cliquez sur le plus puis que vous allez dans Forme et que vous cherchez ici, vous n'avez peut-être pas accès vu que vous êtes prof. Si vous étiez connecté en tant qu'élève dans ma bibliothèque, là, vous auriez accès. Donc, un petit tour de passe-passe pour ça, c'est d'aller dans euh, le stylo et d'aller ici choisir dans les emojis du stylo. Et là, je vais chercher sapin. Ah oh non, c'est vrai, je ne peux pas chercher en français, ça ne cherche pas bien en français. On va chercher tree. Et là, j'ai un petit sapin de Noël qui s'affiche et que je peux redimensionner. Donc oui, c'est un emoji, mais je peux l'utiliser comme une icône. C'est un, euh, un petit tour de passe-passe pour avoir accès à des, à des objets, des images détourées, là, si on n'a pas accès à l'outil euh, de recherche. Ensuite, une autre astuce euh, qui, est, euh, qui est vraiment pratique, c'est d'être capable de verrouiller des éléments sur place. Surtout si on donne un gabarit à, à un élève à, à compléter, on ne veut pas qu'il qu qu soit incommodé par les cases, puis à chaque fois qu'il clique sur quelque chose, ça, fait, ça, ça demande de redimensionner. Mais on peut verrouiller les éléments. Ici, je vous demande, dans le fond, d'aller prendre cette case-là. Ici, on voit justement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on prend cette case-là. On va cliquer sur l'inspecteur de la case et on clique ici sur l'outil verrouillé. Et là, maintenant, cet élément-là est verrouillé. Pour le déverrouiller, c'est la même chose. On va cliquer dessus, on va cliquer sur l'inspecteur et choisir l'option déverrouiller. Euh, pour collaborer, donc là, évidemment, on ne le fera pas parce qu'on n'a pas, euh, pas vraiment eu le temps de... <laughs> au travers de tout ça. <laughs> aïe aïe aïe. Pourtant, en plus, à la COP, c'était un atelier d'une heure et demie, puis on avait eu le temps en masse de, 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 à la fin de en tout cas, Note mais bon, à nous-mêmes <laughs> prévoir plus de temps quand on est en ligne. <laughs> C'est ça. <laughs> aïe, aïe, aïe. Des choses qui arrivent. Donc, euh, ici, euh, je vous demandais, dans le fond, pour collaborer, mais si ça vous tente de le faire, vous pouvez quand même euh, expérimenter la chose parce que la collaboration, elle est permise, elle est activée dans le fond donc c'est d'aller dans votre livre et d'aller euh, cliquer sur l'option collaborer et commencer la collaboration donc par défaut ça va mettre que tout le monde dans la bibliothèque est capable de collaborer mais on peut cliquer sur modifier et choisir une personne en particulier donc si vous vous connaissez ou quelque chose vous pouvez peut peut-être euh... Aller euh, donner l'accès à quelqu'un ou sinon écrire tout le monde dans la bibliothèque. De toute façon, ce pas des livres personnels que vous venez de créer, ce n'est pas grave. Donc, euh, vous pouvez laisser tout le monde à la bibliothèque, puis essayer d'aller collaborer dans le livre de quelqu'un d'autre. La collaboration, ça va vous permettre d'éditer à l'intérieur du livre, mais surtout l'outil commenter qu'on retrouve ici en bas à droite, complètement, là, je ne sais pas si vous le voyez bien, complètement en bas ici de la page. Il y a un petit phylactère avec un plus. Qui permet en cliquant dessus d'aller ajouter un commentaire. Donc euh, hmm. on ajoute notre commentaire. On peut même s'enregistrer en audio-vidéo. Donc on peut ajouter un commentaire audio à un élève si on a trop de choses à dire. <laughs> Ou l'élève non-scripteur pourrait justement euh, le dicter. Et on clique sur Publier. Donc, ça va ajouter ici une fenêtre à droite avec des commentaires. Pourrais-tu dire comment tu fais ta collaboration? Tu choisis oui. ton livre, puis... Je vais essayer de retrouver le mien. Ça, ça doit être le mien ici. Ah, c'est les trois petits points. Partager. Dans la grosse bibliothèque. Oui, on va sur Partager. Puis ensuite, on va sur Collaborer. Et là, ici, par défaut, tout le monde a la bibliothèque. Là, je vais justement, je vais mettre Brigitte Louise. Donc, je vais cliquer sur Modifier, puis je vais cliquer sur Brigitte Louise okay. ici. Alors, Brigitte Louise, elle peut modifier mon livre. Et je retourne en arrière et je clique sur Commencer la collaboration. Donc, maintenant, on voit un petit icône ici de collaboration. Et là, on voit ici, il y a Hélène qui a activé la collaboration. Edith, Guillaume, Cédric, Jocelyne. Donc, quelques livres ici qui sont collaboratifs. Alors, vous pouvez aller à l'intérieur. Moi, en tant qu'enseignante, je peux aller dans n'importe quel de vos livres, même si vous n'avez pas activé la collaboration. Je peux aller modifier des choses dans vos livres. Euh, je vais fermer ici le euh, panneau des commentaires et je continue avec le volet enseignant. Alors, deux petites tâches très, très rapides au niveau des enseignants euh, parce qu'on pourrait justement rendre un fichier disponible aux élèves à l'intérieur du livre pour que l'élève puisse euh, euh, travailler un, un, un PDF ou quelque chose. Donc, on va cliquer sur le plus, sur le plus encore ici à droite et complètement en bas sur Fichier. Puis on va aller choisir un PDF. Oui, ça, c'est tout un PDF. C'est pas grave, on va prendre ça. Oh on en est trop gros, lui. <laughs> je vais aller dans mes. Oups. Euh, donc, euh, je vais prendre une petite capture d'écran ici. Non, ça, c'est pas un PDF, ça. Ça peut pas être un PDF. Pendant que tu fais ta recherche et euh, oui. collaborer euh, mon livre, j'ai autorisé tout le monde. Ça fait que vous avez au moins une collaboration en cours. Et il y a Jocelyne qui dit, est-ce que l'outil fonctionne avec l'Exibar, barre oblique, WordQ? On a ça. Euh, honnêtement, je ne, je ne le sais pas, mais il y a la fonctionnalité pour, euh, pour la lecture, en tout cas pour lire les livres. On peut... Il y a toutes sortes de, de fonctionnalités qui sont ajoutées au niveau de la lecture. Jocelyne, Est-ce Est que tu voudrais que ce serait-tu un bon moment pour activer les micros, vu qu'il nous reste quelques oui, minutes ben de oui, participants? Oui, absolument. Ben ok, absolument, Je vais m'occuper de ça. <laughs> ça. Donc pendant que tu fais ça, dans le fond, le PDF ici, euh, je peux ajouter des pages depuis votre PDF. Donc, je peux aller choisir des pages ou l'intégrer en tant que lien web. Mais ici, je vais choisir ajouter des pages en tant que tel. Et là... Je vais prendre juste la première page. Là, c'est le. Non, tiens, ici, le euh, cadre de référence de la compétence numérique. Et je clique sur Ajouter. Donc, ça vient de l'ajouter ici. Si j'avais cliqué plusieurs pages, ça les ajouterait en tant que page, une à la suite de l'autre dans le livre en tant que tel. Mais le PDF, après, il est éditable. Donc, j'ai un crayon ici qui me permet bien éditable. Il faut le dire vite, là, ce pas Canva. Mais euh, il me permet, par exemple, ici, je peux aller enlever la page. Oups! Annuler. Je vais prendre la gomme à effacer. Je peux aller enlever le numéro de page ici. Ah, ça m'a même fait un trou. Tiens, je vais faire trois trous pour faire comme si c'était une page de cahier. <rire> <rire> okay. Et là, je clique sur terminer. Donc, j'ai mon, euh, mon PDF ici. Il peut être euh, utilisé vraiment en tant qu'image ou en tant que ressource. Donc, vas-y, Jocelyne. Euh, tu avais euh, sur le. Lexiband et le, WordQ, hein? Oui, c'est ça. Est-ce que tu l'as essayé? Non, c'est ça. Je ne l'ai pas, moi, dans mon appareil, fait que je ne peux pas euh, valider. Mais euh, je sais que quand on est en mode lecture, tu vas le tester est parfait. est qu'elle va le tester? est qu'en lecture, on peut, quand on clique ici sur me raconter des documents. Exercice 1. Il lit vraiment en détail, puis je peux aller ici dans les paramètres, changer la voix, lire okay. les mots, mettre les mots en surbrillance, euh, etc., le, la vitesse de lecture. Bref, j'ai des éléments au niveau de la lecture. Mais quand on écrit, par exemple, ça je ne sais pas si, euh, si c'est euh, si on peut utiliser WordQ. Et on demande aussi si on intègre un PDF directement, pas le lien, là, vraiment le PDF dans le livre, est-ce que les lecteurs pourraient le télécharger par non. la suite? Non, parce que ce n'est okay. pas, 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 pas intégré comme un fichier à télécharger, c'est plus intégré comme une image, en fait. OK, OK. Perfect. Euh, pour tous les types d'intégration possibles, il y a un livre en anglais. Euh, il est juste en anglais, mais il y a vraiment tout, là. même en musique. C'est flat.io pour faire de la notation musicale. Ah ouais. On peut l'intégrer. On peut intégrer Soundtrap. Si vous faites des balados avec vos élèves, vous pouvez intégrer Soundtrap. Euh, vous pouvez intégrer. Euh, il y a toutes sortes d'applications de, de, connectées et intégrées euh, qu'on qu peut ajouter directement à l'intérieur du livre. Comme ça, l'élève n'a pas besoin de sortir du livre à chaque fois. Donc, pour publier un livre en tant que tel, alors j'ai activé la publication, vous pourriez le faire si vous voulez, ça se publie, puis ça se dépublie instantanément. Donc, vous pouvez faire le test, puis le dépublier tout de suite après, il n'y a pas de problème. Donc, euh, des petits paramètres à connaître, par exemple, qui peut trouver ce livre? Évidemment, on va le mettre en privé. Euh, les, les, les partages publics là, en éducation sont habituellement pas recommandés. Et euh, au niveau du remixage, ici, vu que moi, je vous ai partagé un gabarit, ici, euh, le, le, le remixage est activé. Donc, vous pouvez vous faire une copie du livre sans problème, puis le remixer euh, euh, autant que vous voulez. Mais normalement, si c'est les créations des élèves, on n'activerait pas ça. Là. On laisserait désactiver le remixage. Ensuite, une fois qu'on a cliqué sur le bouton Publier en ligne, on a trois options de partage. Donc, soit d'aller le lire tout de suite là, en ligne, soit de copier le lien de partage, ou même un code QR. Donc, ça pourrait être, on préfère, on pourrait prendre des codes QR puis les afficher là, dans l'école ou quelque chose. Mais ici, évidemment, là, on parle de, de, de la publication de manière générale, pas d'un dossier d'apprentissage. Je le répète là, le dossier d'apprentissage, c'est personnel. Donc là, ici, on ne serait pas, on publierait pas les, les, les dossiers d'apprentissage des élèves. Et tout ça, ça se retrouve ici dans le petit menu de partage qui est en dessous du titre de votre livre, là. le petit menu de l'icône de partage. Et on clique sur Publier en ligne. Euh, pour publier la bibliothèque au complet, donc là, il faut vraiment être dans la bibliothèque euh, et cliquer en haut à droite sur l'engrenage, la roue dentée, et changer les différents paramètres que je vous ai euh, montrés au début, début euh, de la présentation. Et après ça, on clique sur publier la bibliothèque en ligne. Et là, après ça, il y a la, même quand la bibliothèque, elle est publiée en ligne, on a la possibilité de euh, protéger par mot de passe aussi. Donc, si, par exemple, on voulait publier la bibliothèque en ligne, qu'elle soit disponible pour les parents, on pourrait protéger par mot de passe. Comme ça, c'est ce, les parents, non seulement faut qu il faut qu'il y ait le lien, mais en plus, il faut qu'ils connaissent le mot de passe pour pouvoir voir les, lire les livres des élèves. Petite question, euh, ça oui. c'est dans la version gratuite, le... oui. tout ça c'est disponible aussi. Oui, tout parfait. ça c'est disponible dans la version gratuite. Je t'envoie un courriel à cet effet, mais n'en tiens pas compte. OK, parfait. <laughs> c'est <Merci. rire> bon. Euh, ensuite, maintenant, vous allez pouvoir vous faire une copie de votre livre que vous avez fait. Vous allez pouvoir vous en faire une copie dans votre... Euh... Oups, je pensais que j'avais changé cette image-là dans votre bibliothèque à vous. Euh, donc, vous le, vous, au lieu de partager tantôt, c'était dans le webinaire là, du 15 décembre, ici, vous le mettez dans votre livre à vous, donc ça vous fait une copie. Les copies ne se parlent pas, ne sont pas reliées. Donc, une copie, c'est vraiment une nouvelle copie à part entière euh, qu'on peut on peut faire toutes les des nouvelles modifications dessus et elles ne vont pas être liées à, au livre de base qui est dans ma bibliothèque. Donc, c'est vraiment deux entités différentes. Euh, le dossier, le, 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 je vous ai aussi créé un gabarit euh, que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Ça, c'est vraiment un gabarit de dossier d'apprentissage. Et là, je le montre ici. Je vais l'ouvrir. Je vais le lire ici. Je vais me mettre même en page comme ça. Donc, dans le dossier d'apprentissage ici, on a, comme, on a une page avec le nom de l'élève. Il pourrait mettre sa photo, écrire l'année. Ensuite, étant donné qu'on peut faire des liens à l'intérieur d'un livre, non seulement des liens web vers Internet, mais aussi des liens à l'intérieur du document, à l'intérieur du livre, fait on pourrait faire ici l'étape 1. C'est relié à, à la première page. Après, si on préfère étape 2, c'est relié à une autre section parce que pour organiser le euh, dossier d'apprentissage. Ensuite, on peut utiliser une ligne du temps avec différents projets, différentes traces. Euh, chaque projet peut avoir vraiment sa page avec la matière, le projet, une photo, ce que j'ai appris, les défis, etc. Donc, on a mis. Plein d'éléments différents des Lorem Ipsum en abondance pour que vous puissiez les utiliser avec vos élèves, remplacer tout ça, modifier. Tout est modifiable, tout est éditable. Et vous pouvez donc vous faire une copie de ce gabarit-là dans votre compte à vous. Alors, ça, c'était pour adapter le contenu. Et comme Brigitte-Louise a dit tout à l'heure, si vous êtes en or, bien même, même pas en or pour les besoins de cette présentation-ci, si vous avez suivi cette présentation-ci avec moi, vous pouvez venir me voir les lundis. On a toujours deux membres de notre équipe qui est disponible de 11h à 13h dans notre salle virtuelle pour répondre à vos questions. Euh, et je vais juste revenir ici, ouf, bibliothèque, au lieu du webinaire, je vais retourner à « Mes livres à moi ». Donc ça, c'est mes deux livres qui sont publiés en ligne. Vous pouvez avoir la version officielle. Je vais partager. Ça, c'était publié en ligne. Pourquoi qu'il n'est pas... OK. Copier le lien. Donc, ça, c'est le lien du euh, dossier d'apprentissage de base. Si jamais là, la copie... Parce que là, ma copie est, est modifiée là, dans l'autre euh, document. Et ici, celui-là qui est dans l'autre document de toute façon. Ici, comme ça. Donc, vous avez accès au gabarit et au cahier de travail.